Thank you so much. Ça c'est le plat que moi j'ai choisi. C'était quoi le nom? Ah, c'est du riz frit avec du poulet. Accompagné de sa petite soupe. Une petite soupe avec du bon piment. Ça aussi c'est du piment je pense. Hein. C'est un petit peu comme de la rissa. Non? Bien lourd en tout cas et ça pique, hein, ça arrache. Si je le dis c'est que ça arrache. Hein. Voilà. Et tout ça c'est en bordure de route. It's so good. Donc moi j'ai choisi ça, c'est du riz blanc avec du poulet et un œuf. On va déguster tout ça, ça a l'air super bon en tout cas. Avec évidemment sa petite soupe. Et j'ai trouvé le Fanta du Bled, pour ceux qui connaissent là, le Fanta, le vrai. Bien celui sucré, qui est bien sucré, là, bien orange, là, qui te laisse la langue bien orange, tu vois. Happy food. Je ne peux pas monter, bébé. Ça coûte un piment. Pas ça fait gros. Where are you from, man? Fred. Champagne conferences. Oh, bonjour. Moi, this is the good luck camera, yeah?
Mouah. Merci. Bye. Alors? C'est bon, c'est sucré, ça va. Ouais. C'est sucré? Un coup, voilà. Bah, pour moi. C'est que la sauce taille, c'est toujours sucré. Ça pique. C'est en fait, c'est la sauce là. Regarde les cheveux. On est juste éclatés en fait, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et on est en train de bouger. C'est trop bien. Bangkok, c'est vraiment la haine, ça. Vraiment le ghetto en fait ici. Alors cette première journée à Bangkok, on s'est fait plumer mais comme des poulets, comme des pigeons. Démonté. Démonté. Normal, c'est le premier jour. Ouais, ça n'arrivera plus, on espère. Tu vas dans un pays où c'est la première fois que tu arrives, t'es un pigeon. Ouais, c'est clair. Là, j'ai juste envie de laver. Vraiment, de dormir, mais sur un lit, tu vois. Mais déjà là, c'est super confortable, il fait bon, il fait vraiment frais en fait. C'est sur le train climatisé, donc déjà ça c'est top. Mais bon, après on a 12 heures de route, on arrive demain à 7h alors que là il est 18h. Donc ouais, ça va être un petit peu chaud. Mais ça ira. Ça va aller. On est venu pour s'éclater. C'est juste mon bébé qui m'aime. Voilà. Et aussi, on me distribue sans arrêt des boissons. Donc ça, c'est top aussi. Ce qui fait super, super, super chaud. Ouais. Donc ça, c'est génial. Bon, là, je suis dans le train de nuit en direction de Chiang Mai. Dans le nord de la Thaïlande et je suis juste complètement éclatée. Là, je suis en train d'essayer de recharger tous mes appareils. Là, je recharge mon ordinateur et tout ça, mon téléphone. Le téléphone de Monsieur Bichan. Là, je suis sur une. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais bien vous montrer. Mais je suis sur une couchette. Voilà, donc je peux dormir. C'est ce que je vais faire d'ailleurs dans quelques minutes. Et de l'autre côté, voilà, j'ai un gros oreiller. Et pour un train, c'est plutôt confortable. Par contre, la clim, elle est super forte. Genre, il fait trop froid. On va aller voir Monsieur Pichan, il est juste au-dessus. Donc, moi, j'étais juste en dessous. Coucou.